Beaucoup de gens pensent et disent que je suis l'un des pères de la world music. Parce que je ne conçois pas la musique comme des cloisons. De ce côté-là, les gens disaient que j'étais versatile. Il y en a qui le disaient avec un grand V, il y en a qui le disaient avec un petit V. Pourquoi il faut toujours classer les gens? Dans ma musique, tu retrouves mes racines, mais tu ne trouves pas que ça, parce que je ne suis pas que ça. Moi, je suis arrivé dans ce pays, j'avais 15 ans. Ça fait 60 ans que je suis là. Souvent, même aux Français, je dis, à votre avis, je suis qui? Parce que moi, je sais qui je suis moi. Mais c'est un pays cartésien, il faut mettre des étiquettes partout. Moi, je suis pas pur, moi. Je suis un mélange. Mon histoire symbolise un peu l'ambiguïté. Et c'est peut-être par là où on habite, quoi. Dans l'ambiguïté. Voilà. Si regarde son équilibre, elle est seule dans la pirogue avec le gosse, quoi. J'ai jamais vu ça, en fait. Cet homme-là a reçu tellement de musique et il a tant apporté à l'univers de la musique. Je vous demande de recevoir avec tous les honneurs, s'il vous plaît, le prix musique du monde, Monsieur Manu Dibango. Manu Dibango. Ça fait 60 ans que je suis ici. 60 ans et un grand prix, c'est un grand bonheur pour moi. Merci, mesdames. Merci, mesdemoiselles. Merci, messieurs. C'est l'histoire qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes toujours des produits d'une histoire. Les générations maintenant ne savent pas pourquoi il y a les Africains ici. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas venu ici en pirogue. Quelque chose a dû se passer pour qu'on arrive ici. Sur le continent africain, la France, au prix de sublimes sacrifices, a établi un vaste empire colonial qui comprend aujourd'hui le Togo et le Cameroun, anciennes possessions allemandes que la guerre de 1914 a fait passer sous le contrôle français.